petite sortie d'entraînement pour tester la GoPro 10 et en même temps montrer un peu mon petit terrain d'entraînement. Juste derrière moi, une petite mise à blanc de la forêt, toute une partie, peut-être un hectare, qui a été rasé pour exploiter le bois. Ah, j'ai énormément de chance évidemment d'habiter juste à côté des bois, pouvoir m'entraîner quand j'ai envie, c'est vraiment top. Il fait pas chaud, mais il pleut pas, il fait bon, c'est assez chouette. Ici on est à Court-Saint-Étienne, près de Sarmes-sur-Guillaume. On a la chance d'avoir les bois de Villers-la-Ville. Ça va jusqu'à Villers-la-Ville, c'est la forêt, les petits chemins, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, on n'est pas dans les Ardennes, mais ça permet vraiment de faire des chouettes sorties en VTT ou en trail. À une ancienne maison de guerre de chasse. Un beau potager. Ah, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il y en a quand même un petit peu. C'est pas non plus le plat pays. Ah, sur une sortie de 10 km, on peut avoir 200-250 mètres de dénivelé positif. Là on est à la roche avec des petits passages entre les maisons. On a traversé la vallée. On est de l'autre côté de la roche. Là, on remonte. Sur le plateau avec la roche, Sarmes-sur-Guillaume, Court-Saint-Étienne, et là-bas en direction de Bouzeval avec la chapelle du Triochène là-bas en tout petit dans le fond. Voilà, c'était une belle descente pour les VTT, vraiment une chouette
descente avec des petits tournants relevés. Et très chouette, il y a moyen d'avoir un peu de vitesse. Mais il ne faut pas qu'il y ait un cheval en face ou des promeneurs. Voilà, on est de nouveau proche des bois de Villers-la-Ville. Ouais. C'est de nouveau encore plus beau, moins de maisons et un peu plus de dénivelé aussi. Ah, j'aurais bien aimé vous montrer ça avec un petit rayon de soleil. C'est encore beaucoup plus beau. Bon, j'aurai certainement l'occasion, encore une autre fois, d'en refaire une autre vidéo. Alors ici, quand il y a un petit rayon de soleil qui a l'odeur des pins, on a vraiment l'impression d'être un peu dans les Landes, même si on en est bien loin. Une belle ligne droite pour faire un peu de vitesse. Une vieille route romaine en pavé. Là on voit le froment d'hiver qui a été semé et qui commence déjà à pousser. Certaines descentes comme celle-ci sont assez casse-gueule et on les descend en fait moins vite qu'on monte tellement elles glissent. Je vous laisse apprécier. Bon. Ce qui est chouette quand on court le matin assez tôt par ici, c'est qu'on voit souvent des chevreuils, beaucoup de faisans. Mais ce qui est le plus beau sont les chevreuils, ça c'est assez chouette. Et le matin en semaine, c'est pratiquement chaque fois. Le week-end évidemment, il faut partir tôt et comme il y a plus de promeneurs, ils sont beaucoup plus effrayés. Voilà, j'arrive sur la fin de mon tour. Je vous aurais fait découvrir un peu les bois, les forêts entre Cours-Saint-Étienne et Villers-la-Ville. Il y a des super trails dans la région, le trail de l'abbaye de Villers, l'Empiriste, mais il y a surtout le trail des Cisterciens, où là il y a plein de distances. Je pense que ça va de 10 km à plus de 100 km. Et donc c'est un très chouette trail qui se passe dans ces environs-ci. Voilà, à très bientôt, salut.